Après avoir reçu son prix du président de l'UEFA jeudi à Monaco, l'ancien ailier de Manchester United Eric Cantona s'est lancé dans un monologue philosophique, plombant l'ambiance de la cérémonie du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions. Monaco a abrité mercredi la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions européenne 2019-2020. À cette occasion, l'UEFA décerne aussi des prix, notamment celui du meilleur joueur évoluant en Europe, remporté cette année par le meilleur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk. Macron, la polémique sur Caboret est ridicule. L'ancien attaquant de Manchester United et de France s'exprimait avant le tirage au sort de la Ligue des Champions 2019-20 à Monaco, où il a reçu le prix du président de l'UEFA. Coiffé d'une casquette et vêtu d'une chemise rouge, il a commencé par citer le roi Lear de Shakespeare, en disant « Comme des mouches victimes de la cruauté gratuite des garçons débiles, nous sommes les victimes les dieux » avant de continuer à faire référence à la science, la guerre et le crime. Duterte en colère contre une série de CBS. Les 5 points clés du discours d'Obama à la suite de son coup de pied de kung-fu sur un fan de Crystal Palace en 1995, il a donné sa fameuse conférence de presse en faisant remarquer que quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. Comme des mouches victimes de la cruauté gratuite des garçons débiles, nous sommes les victimes des dieux, ils nous tuent pour leur sport. Bientôt, la science sera non seulement capable de ralentir le vieillissement des cellules, mais bientôt la science fixera aussi les cellules à l'état et ainsi nous deviendrons éternels. Seuls les accidents, les crimes, les guerres nous tueront encore, mais malheureusement, les crimes, les guerres, se multiplieront.